Alors, je vais faire réapparaître ici le contour de sélection. Affichage, afficher le contour de sélection. Pourquoi? Ben parce que je vais maintenant, avec la flèche blanche, cliquer à côté de tout et aller cliquer sur l'œil ici pour ne sélectionner que cet œil-là. Et également, touche majuscule, cliquer sur l'autre œil. Donc la flèche blanche me permet d'avoir accès à certains objets dans un groupe, alors que la flèche noire, c'est tout le groupe. Donc je vous rappelle que je viens de demander affichage, afficher le contour de sélection pour arriver à voir que je sélectionne ça en fait. Et je peux donc, sur certaines formes, aller tester certaines des brushes. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même brush partout en fait. Vous pouvez avoir une brush différente sur les yeux que sur le reste. Voilà, par exemple celle-là qui est assez fine. Peut-être que pour ceci et clic majuscule, ceci aussi, je vais mettre aussi la même. Voilà. Sinon, le reste a l'air pas trop mal. Voilà, vous pouvez enregistrer par sécurité pour ne pas perdre jusque-là déjà ce qu'on a fait jusqu'à présent.